Hey hey hey, kiki mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Eddie Challenge. Et on va retrouver notre petite famille Beauvert, tranquillement et bien endormie. Et comme c'était le but de l'épisode et que je le fais jamais en début d'épisode, je vous demanderai bien sûr déjà de liker, de commenter quand vous aurez tout vu et surtout de partager la chaîne. C'est le meilleur moyen pour moi de m'aider, de me soutenir et de me faire connaître. Je vous remercie par avance. Pendant qu'on a un énorme problème de lessive et des fringues qui putent le moisi, nous avons aussi le monstre hein, qui s'est manifesté. Mais bon, elles font une petite sieste et comme ça, au moins elles dorment et elles me cassent pas les pieds. Alors, il vous plaît hein, le petit Perceval. Hein. Il a plutôt la bonne cote hein, dans les commentaires. Et je vous comprends, il est plutôt beau gosse. Tu vas prendre une portion, mon petit. Et puis, tu vas aller à l'école aujourd'hui. Eh oui, ce sera l'heure d'aller en cours et puis de faire connaissance avec des beaux jeunes hommes et des jeunes femmes, éventuellement. Les autres familles peuvent envoyer leurs filles, pas vous, hein, pas nous. Mais pour que puissent te caser toi et tes sœurs. Tu es le seul mâle de cette famille, donc ça tombe bien que tu puisses aller à l'école quand même, ça m'arrange. Mais qu'elle est mignonne cette petite Althea. À peine levée, elle veut déjà faire la vaisselle. C'est bien, bichette. Tu apprends vite. Bon. Et Gaspard et déjà relou dès le matin. Vas-y, tu vas te prendre un bain, là. Tu me saoules. Vas-y. Va te détendre dans ton bain. T'es déjà tendu. Tu me saoules. Voilà. Oh, puis alors... Oh, mais la lessive. Oh là là, Colombe, tu sais quoi? Tu vas t'amuser à faire nettoyer tout ça. Et moi aussi. Et mon biquet? C'est l'heure d'aller en cours. Oh, que tu es beau. Tu es bien apprêté. Hein, il est beau ce Perceval, il a des traits de merde, mais il est beau. La bonne nouvelle, c'est que le linge a fini de sécher, donc on va pouvoir étendre... Oui, parce qu'il y a du linge déjà dans la bassine, hein. Souvenez-vous, c'était Blanche qui avait fait n'importe quoi. En fait, elle l'avait tas par tas. Oh, Gaspard, Gaspard, Gaspard. Oui, tiens, on va faire... on va s'occuper aussi des petites, là. Tu vas faire de traitement antimite, nouer des liens, récolter le miel... Oh là, il est de nouveau tendu, il m'énerve. Et récupérer les seins, oh là. Ah oui, bah oui, parce qu'elles vont pas à l'école, donc forcément, le directeur s'énerve. Mais vous inquiétez pas, tout va bien aller. Bah alors, Colombe, tu rigoles avec ta petite sœur, c'est mignon, sauf que tu vas pas l'embêter plus que ça. Donc ça, t'as pas d'additif, ok. On va gérer ça. Papa, t'as pas fini avec les abeilles quand même. Arrête de me faire croire. Non, il a rien fait de tout ça. Oh, tu m'énerves. Gaspard, ça suffit. Tu t'occupes des abeilles comme je t'avais demandé, là. C'est quoi ces thugs, là? Il faut jamais ce que je leur demande. Ça m'énerve, parce qu'après, il va récupérer les fleurs. Et puis, les fleurs, je vais en donner à Colombe, qui pourra faire la lessive. Oui, c'est tout un plan dans ma tête. Hein. Allez, voilà. Pollinisez tout ce que vous voulez, et toi, tu vas tout récolter, mon petit. Hein, avant qu'un certain Godefroy ne passe. Non, je l'ai vraiment pas digéré, hein, cette histoire, hein, sachez-le. Elle est mignonne, Colombe, elle a commencé déjà à vouloir faire la lessive. Mais oui, ma biquette, tu vas ajouter un additif. Fleur, on va mettre une rose. Allez, comme ça, ça va sentir bon, ça va être tellement cool. Et après, tu pourras faire la lessive que tu aimes tant. Voilà, ah bah rigole, tiens, parce que là, t'as du taf, ma cocotte. Hein. Allez, faire la lessive dans une bassine, c'est parti. Ah, ma petite vengeance, ça fait du bien. C'est bien, ma petite Colombe. Tu seras bonne à marier après. Qu'est-ce que tu... Eh oh! Mais elle m'a pas fait saler. Mouh, je vais la frapper. Ramasser ta de vêtements. Mais qu'est-ce que tu m'as foutu? Mais tu m'énerves. Faire la lessive dans ta bassine. Allez. Ah, je vous jure. Eh, c'est pas possible. C'est des vrais thugs. Qu'est-ce que... Pourquoi tu vas là-dedans? Ah oui, il y a un tas de vêtements là. Bon, au moins elle fait ça bien, parce que là, sinon c'est le bois gel. Mais au moins... Ah, c'est la lessive, ça c'est bien ça ma belle, c'est bien. Je suis contente. Tandis que Perceval continue de rencontrer des gens. Oh non! Ça a cassé ici! Bah tu viendras réparer... Non mais attendez, c'est n'importe quoi. Hein. Là le linge il était pas depuis trop longtemps. Hein. Oh, enfin bref. Parce que comme elle est encore en train de faire la lessive, Gaspard, il va réparer. Mais c'est pas possible, mais vous allez respecter ce que je vous demande de faire, bon sang! Bon, bah c'est super. Le truc, il est bugué. Super, je suis ravie. Tiens, tiens! Mathilda! Bah alors, Mathilda, elle est toujours aussi bonne humeur à chaque fois qu'elle passe à la maison.
Mathilda, attends un heureux événement. Voilà, ça fait plaisir. Bon, dans la chambre, c'est séance de devoir pour les filles. Oh, Althea, t'es un peu buggée des bras, je crois. Je m'avance pas trop, mais t'as une légère rigidité des bras. Ça fait un peu flipper. Regarde comme ils sont beaux. Mais Gaspard, il a une... Ah là là, qu'est-ce qu'il est beau gosse, punaise, dis donc. Ouais. Qu'est-ce que ça va être en étant adulte, hein? Avec un petit peu de barbe, hein, franchement. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, un troubadour qui vient nous faire de la musique à la porte? C'était complètement d'époque. Bonjour, monsieur. Ouais, Gaspard, que j'ai envoyé pêcher depuis tout à l'heure, mais qui ne pêche pas. Super. Bon, bah, dans ce cas, va taper ta crise de nerfs à la maison, alors. Oh, Gaspard. Éternel tendu. Il arrive même... Ah, bah quand même, il se détend un petit peu, là, voyant son fils. Il est vraiment beau gosse, hein. Vraiment, vraiment beau gosse. Même s'il est brun. Adélie, toujours... Elle a quand même, j'allais dire, toujours en train de faire des trucs de tâches ménagères, mais quand même, moi, ses filles s'en ont occupé aussi. Allez. Comme c'est étonnant. Le monstre. Ah, j'en ai marre de ce monstre. J'en ai marre. Cauchemar! Isobel, elle nous fait des cauchemars à répétition, là. Entre ça et le monstre, ça commence à bien faire, là. Va te coucher. C'est suffit. Ou je vais m'énerver. Ah là, toi aussi, hop! Dis sieste. Non, allez, t'as même pas le temps de voir. Qu'est-ce que tu fais, Blanche? Ah, Blanche a besoin d'aller faire un petit pipi. Et c'est re-cauchemar pour Isobel. Super. Ah, oh, super, Adélie, tu nous as encore flingué sans simflouse pour rien. Heureusement qu'on n'est pas à la rue, hein. Vraiment. Pour changer, bah, Gaspard est tendu. Hein. Gaspard est énervé. Donc je l'ai envoyé courir. Mais je pense pas que ça lui corresponde. Donc il commence sérieusement à me casser les noix. Tu vas en faire longtemps, Adélie? Mais non, c'est une petite toile réaliste. Bah oui, mais réaliste, du coup, je peux rien en faire non plus. Tu m'énerves, là, Adélie. Je vais te séquestrer dans des murs. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette envie. Alors là, tu vas être la première à y aller. Hein. Au moins, Colombe. Avec l'âge. Eh ben, elle est plus sérieuse, elle est plus calme. Hein, voilà, je me suis assez vengée, elle a compris le message. Maintenant, elle se calme, dit oui, d'accord, oui, je comprends bien. Althea, tu manges? Ouais, et après tu feras le... Hein? Tu iras nettoyer tout ça. Regardez qui vient nous rendre visite, c'est Louise. C'est la deuxième fille de Eulalie et Julien. La petite blonde, elle est vraiment très mignonne. Est-ce qu'on voudrait pas l'adopter? On l'adopte et ça nous fait une blonde de plus. Allez, on est d'accord? Mais Perceval, qu'est-ce que tu... au revoir, d'accord, t'as discuté avec quelqu'un qui est reparti. T'es pas obligé de faire tes devoirs comme ça dans la rue, hein, mon piquet. Tu peux rentrer à la maison aussi. Hein. Il y a aussi Sébastien qui est venu nous rendre visite, le fils de Godefroy et de Séraphine. Voilà, et du coup, bah... On va discuter un peu avec tous nos cousins-cousines. C'est agréable de voir passer, d'ailleurs, faudrait qu'on aille aussi chez Frénégonde. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir. Et mais bon, ils me font tellement tourner en bourrique dans cette maison. Vous voyez pas tout, mais... Voilà. Alors, comme la responsabilité de notre copine Blanche n'est pas au top. Hein, et que j'ai beaucoup fait bosser la petite Colombe en tant que lessiveuse. Eh bien, cette fois-ci, ce sera Blanche de faire la lessive. Eh non! Oh non, mais pu... Mais je Gaspard, je vais te flinguer. Ah, plus je lui ai demandé de récolter les fleurs et lui il fait pas ce que je lui demande. Mais c'est pas possible. Non, 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 non. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Elle va me prendre les dernières tulipes. Putain de voleur de merde. Ouh. Gaspard, j'en peux plus de toi. Un chef d'œuvre pour Adélie qui vaut 798. Ah ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Ça me fait plaisir ça. Et deux nouvelles toiles pour Gaspard. On les voit absolument pas puisqu'il fait nuit. Nous avons les petites roses et nous avons... Oh, un pêcheur. Ouais, c'est la première fois que je la vois celle-là en impressionniste. Bon, 163 et 469. Il est plus fort en classique qu'en impressionnisme. Mais c'est pas grave, ça paiera quand même les factures. Et ben voilà, bravo Adélie qui dépense de l'argent. C'est des thugs aujourd'hui. Ils ne font pas ce que je leur demande. Ils improvisent. Oui, ils font carrément rien. Ouh, encore heureux, les gosses n'ont pas encore mis plein de merde partout. Regardez qui va être heureux de manger un Pokéball.
Hein? C'est Gaspard! Voilà, il va plus être tendu à cause de la bouffe, hein? Donc on est quand même content. Ah ben, il suffisait de le dire. Bravo, Althea. Allez, cette nuit, on va vaporiser le monstre, hein, avec le super vaporisateur du 17e siècle ou du 16e siècle, on sait pas trop. Est-ce que vous vous rendez compte ou quoi, là? Mais non, il papote entre elles! Maman, faut que tu reviennes. Parce que là, je pense pas qu'elles ont compris que t'avais vaporisé. C'est-à-dire que même si on le fait, ils sont trop teubés pour se rendre compte, les Sims. Donc vraiment, c'est tout et n'importe quoi. En voilà une nuit qui est bien passée sans monstre sous le lit. Quel bonheur! Oh là là, comment ça? C'est bientôt l'anniversaire de Blanche. Oh, et donc de Colombe? Mon Dieu, elles vont devenir jeunes adultes! Ben, il faut qu'on les case. Oui, on va voir ce qu'on a dans l'inventaire des connaissances. Pour savoir qu'est-ce qui serait intéressant pour ces demoiselles. Allons bon, maintenant c'est Adélie qui va me casser les noix avec ses plats. Oh, t'as pris du poids, Adélie. Mais t'es une grosse dondon, dis-moi maintenant. Allez, petites abeilles, pollinisez donc tout. Et toi, tu me récoltes tout, hein? Qu'on se fasse pas avoir encore une fois. Mais je pense que ça y est, hein, il a abandonné son train de vie là, de bouffe. Ce qui est pas plus mal parce que c'était bien relou. Mais maintenant, c'est Adélie qui prend la suite. Donc bon, on fait ce qu'on peut, hein. Regardez-moi tout ce qui arrive là. De la bonne chair fraîche. Bon, pas lui, évidemment. Hein. Lui, il a un petit, commence à être faisandé un peu. Il commence à sentir le cercueil. Bon, alors par contre, effectivement, il y a encore une très 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 grosse brochette de blond. Qui tout simplement sont dans le jeu. Mes Sims n'ont croisé que des blonds. Bon, il n'y a pas que ça. Hein. Je sais bien qu'il n'y a pas que des blonds dans la vie, mais là, en vrai, malheureusement, notre ami Perceval n'a rencontré que des jeunes hommes blonds. Et enfin, si, il y a bien un genre roux, brun, mais ils sont trop vieux. Donc, à part celui-là, oui. Celui-là, Laurent Bertrand, il y a moyen. Bon, évidemment. C'est un premier jet au niveau des soupirants. Je verrai bien. Je commence à voir ce qui se passe. Bon, là, il y a quatre blonds, évidemment. Je vais essayer de ne pas faire que des blonds. Sinon, il y en a qui vont péter des câbles. Ne vous inquiétez pas, mais je check tout ça. Je vois ce qui pourrait être compatible et plutôt pas mal. Mais je pense que surtout, je vais vous demander de voter entre les deux. Hein? Entre nos deux petites jumelles. Nous avons donc Colombe ici, vous êtes habitués maintenant à voir leur bouille, donc c'est pour ça que je ne vous ai pas fait voter tout de suite, parce qu'il fallait quand même s'habituer, s'attacher peut-être à l'une des deux. Elles sont très mignonnes toutes les deux, elles sont très similaires surtout, vu que c'est des jumelles et qu'elles ressemblent énormément à leur mère. Et donc voilà, vous allez choisir entre elles deux laquelle on garde, laquelle on va se séparer. Celle qu'on gardera sera en finale. Puisque je pense que je vais faire par groupe de deux, quand je peux, c'est-à-dire Blanche et Colombe l'une contre l'autre, puis Perceval contre Isobel, et enfin les deux gagnants des deux rounds seront contre Althea, parce que Althea est toute seule, puisqu'ils sont cinq enfants. Le sondage, évidemment, est dans la description. Vous aurez quelques jours pour voter, donc n'hésitez pas, hein, surtout, allez le plus vite possible voter. Comme ça, je pense que la semaine prochaine, je vous ferai voter pour les soupirants. Voilà. Oh! Oh, ben il est bien, lui! Il répare! Parce que je lui ai demandé. Oui, bah ouais, du coup, Gaspard, il va pas le faire. Il s'appelle comment celui-là? Je ne sais pas du tout. Alexandre Bernou. Bah, c'est sympa, du coup, Gaspard, il vient lui prodiguer quelques petits conseils. Mais merci beaucoup, Alexandre, pour ton implication dans notre petite famille. Il marque des points, peut-être. Il marque des points pour être sur la liste, hein. Mais voyons, Adélie, mais tu fais quoi? C'est pas ça le bon exemple! Alors, bouge tes fesses! Bouge tes fesses de là! Au lieu de danser, tu vas jeter! Allez, montre le bon exemple à tes filles, là, franchement. Et médite, mais avec tout ça, j'ai pas du tout vendu nos biens! Alors, c'est parti! Nous allons vendre nos gains de la semaine, hein. On est à 5178 simflouz, nous allons vendre. Alors. Des cristaux ici, voilà, c'est pas mal. 340, bon. Les fleurs, c'est ce qui nous rapporte le plus. Hein. Oh là là, on est déjà à 9000. On est déjà à 9000. Au niveau des toiles, le truc c'est que je peux pas vendre tout et n'importe quoi. Donc on va vendre ça. Ah, je vais vendre ça avec. Ouais.
On va déjà gagner 9662 avec l'inventaire de Gaspard. Je désactive, je regarde ici, c'est toujours classique, classique ou impressionniste. On est ok là-dessus. Celui-là, il s'est très très beau ce coucher de soleil. Donc, eh ben, on va tout vendre, hein, tout simplement. 1732, c'est pas mal. On va passer à l'inventaire d'Adélie maintenant. Adélie qui a un peu fait sa tug, hein, nous a fait des toiles. Va falloir que je surveille ça de plus près. Avec ses fleurs qu'elle avait récoltées, 2416. Et au niveau des toiles, je vérifie. C'est bon, elle a ce qu'il faut, c'est tout est ok. Et 2778, est-ce qu'on a tout? Oui, c'est bon. Les enfants, j'ai déjà fait le tri, ils n'ont plus rien. Mais écoutez, on est pas mal, hein, ça nous fait un... Oh, fou, la vache, 21 766 simflouz. Eh bien, écoutez, on va calculer tout de suite. Ok, très bien. Lui, il a vraiment, vraiment envie de passer sa vie à la maison, je crois. On va le mettre sur la liste, on va mettre sur la liste. Je vais calculer maintenant, eh ben, la part du Seigneur. C'est parti donc, j'ai fait les petits calculs. Donc, nous avons gagné cette semaine cette incroyable somme de 16 588 simflouz, à laquelle nous retirons la part du Seigneur qui équivaut donc toujours à 30% pour la génération bourgeois, à 4 976. Du coup, dans notre petite popoche des Beauverts, il nous reste seulement 16 700. 90. Et voilà. Et ben, je peux vous dire que on est bien. On va dire ça comme ça. N'est-ce pas, Perceval? Toi aussi, t'es bien dans ton joli bain. Oh, mais oui, attendez, Isobel clignote. Isobel clignote. Vous savez quoi? On va fêter son anniversaire tout de suite. En tout cas, s'il y a un Gatal encore de près, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Bon, Adélie, tu viens tout de suite, on va faire un Gatal pour l'anniversaire de ta fille. Il est un peu tard, mais comme ça, vous aurez la bouille avant relooking de la petite Isobel. Allez, les bougies sont posées. Isobel, tu peux venir les souffler. Oh, j'ai hâte de voir un petit peu à quoi elle va ressembler. Happy birthday, Isobel, la petite brune. Oh, elle est où? Elle est là. Elle est là. Isobel sera-t-elle belle? Oh oui! Elle est absolument adorable. Mais c'est encore la tête de sa mère? C'est encore la tête de sa mère. Là, je suis tristesse. Ça m'énerve. Isobel aura donc une aspiration. Allez, bah, famille pour changer. Voilà, super parents. Elle est lavée le trait hyper écolo et elle sera en deuxième. 1, 2, 3. J'en ai marre de adorer les chats, mais en fait, mon jeu ne me sort que soit malveillant, soit les chats en permanence. Donc ça me saoule un petit peu. Mais c'est un très sympa, et en vrai, bon, bah, de toute façon, je pense pas qu'elle aura des chats un jour dans sa vie, mais pourquoi pas. On va valider ça. Isobel est devenue adolescente. Voilà sa bouille, et tout simplement, vous verrez la semaine prochaine sans relooking. Mais au moins, comme ça, Isobel pourra vaporiser le monstre sous le lit d'Althea et on sera tranquille. Bon, les amoureux quand même se retrouvent un petit peu. C'est dommage pour le crac-crac. Hein. Oui, alors on m'avait conseillé de tout simplement adopter un animal pour que le foyer puisse être tout simplement à fond, en entier, blindé pour que je puisse refaire faire crac-crac à mes amoureux. Mais bon, il nous reste une place de libre, ça peut être une place sympathique pour faire un enfant. Mais en général, faire un enfant, c'est plutôt dans la nouvelle maison des filles, parce que c'est forcément les filles qui vont faire un petit bébé. Alors que Perceval rejoint sa petite chambrée, tout seul comme un grand, alors qu'il aura même pas mis son linge au sale. D'ailleurs, c'est la chose qui fera... Ah, non, le panier n'est pas encore plein. Ah, si, oh, c'est pas possible. Oh, ça m'agace. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusque-là. Et n'oubliez pas le commentaire et bien sûr le like que vous avez déjà mis, évidemment. Et maintenant, vous pouvez partager la chaîne. Des gros bisous, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.